J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre premier vlog déco, premier vlog emménagement. Aujourd'hui on va s'attaquer à une première pièce de la maison et on va s'attaquer du coup au couloir. Désolée, je pense que ça résonne pas beaucoup. Je pense que je vais faire un vlog pour chaque pièce de la maison, donc un vlog, une pièce. Alors, du coup voici ce qui donne pour le moment. En même temps je vais vous parler des petites modifications qui ont été apportées parce que dans la vidéo vlog travaux c'était pas encore complètement fini. Tout d'abord ces petites choses au niveau du sol, en fait dans le vlog on n'avait pas encore mis le tapis mais maintenant c'est chose faite. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on a carrelé partout sauf toute cette zone pour pouvoir mettre un tapis, comme ça quand on s'essuie les pieds c'est beaucoup plus pratique et ça évite que ça frotte à la porte. On a aussi mis des petits tétons comme ça et comme ça pour pas que les portes claquent dans les murs. Là c'est le compteur d'eau, donc on a mis une petite planche pour le cacher. Et donc là le but en fait c'est d'y mettre notre meuble à chaussures et de mettre le porte-manteau. Donc ça c'est des choses qu'on a achetées au fur et à mesure et du coup on va tout monter aujourd'hui et tout mettre. Je pense pas qu'on va tout finir aujourd'hui parce que j'aimerais, je pense, peut-être mettre un peu de déco pour rendre ça un petit peu plus chaleureux. Aujourd'hui ça va être le couloir, l'entrée et puis au fur et à mesure bah, on fera une pièce à la fois. Je suis assez contente, ça fait un petit peu plus de gaieté, ça fait moins froid, donc c'est vraiment cool. Et du coup là il manquera juste 2-3 petites décos à mettre là. Je pense que je vais acheter ça
peut-être la semaine prochaine, je sais pas trop. Hola, alors aujourd'hui du coup on se retrouve, on est une semaine plus tard et on va continuer ensemble du coup l'aménagement du couloir. J'ai décidé en fait que j'allais pas laisser le couloir comme ça parce que je le trouve un petit peu vide. C'est pas trop encombrant, c'est assez fin et tout ça et j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Mais je trouve par exemple que le meuble est un petit peu vide, donc j'aimerais acheter 2-3 décos pour mettre sur le meuble. Et en même temps je me suis dit que ce serait sympa en fait d'aménager les toilettes puisque c'est dans la prolongation du couloir. Donc je me suis dit que j'allais faire ça en même temps puisque je vais pas créer, enfin je vais pas vous faire une vidéo simplement pour l'aménagement des toilettes. En plus de ça il n'y a pas grand chose à faire. La première chose que j'aimerais faire qui sera un peu dans la continuité du couloir, c'est, vous savez, ajouter un petit truc là où il est marqué WC, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un petit peu vieillot, un petit peu kitsch, mais moi j'aime bien ce genre de choses. Donc si j'arrive à trouver ça aujourd'hui, bah voilà, je l'achèterai directement et je vous montrerai ça. Sinon bah je le ferai plus tard parce que je sais pas trop si ça existe vraiment encore beaucoup, parce que je vous ai dit je pense que c'est un petit peu kitsch, mais bon moi j'aime bien. Du coup ouais, ce serait le but, ce serait d'aménager en fait le dessus de cette de ce meuble en fait, juste acheter 2-3 décos en termes, enfin au niveau des murs je trouve que c'est assez avec le porte-manteau et notre petit surf, donc ce serait vraiment juste ajouter 2-3 décos au niveau du meuble pour que ça fasse un petit peu plus rempli, ajouter un petit truc sur la porte pour qu'on sache ce que c'est les WC, et aussi en même temps du coup on va aménager les WC. Je me suis dit que c'était sympa de l'ajouter dans cette vidéo puisque de toute façon je vais pas faire une vidéo entière sur juste ça, comme c'est dans la continuité du couloir, je me suis dit que c'était plutôt logique. Donc il n'y a pas grand chose à faire au niveau des WC, je pense que voilà, la peinture, le carrelage, enfin c'est assez en termes de déco, mais juste je pense que vous voyez ce serait juste pour venir avoir un peu de rangement, voilà. Parce que désolée j'allume pas la lumière parce qu'il y a la VMC qui s'allume dès que j'allume la lumière, du coup ça fait un peu de bruit, donc je préfère pas vous l'allumer, mais je pense qu'on voit quand même assez bien. Donc en fait là dans nos toilettes vous avez le truc là pour le papier toilette là aussi, et je pense que vous voyez normalement il y a la brosse toilette, sauf qu'en fait comme c'est un autocollant ça tient pas du tout, donc faudrait qu'on trouve un moyen de le faire tenir. Déjà ce serait l'une des meilleures choses, et ensuite le but ce serait d'acheter vous savez comme des pots pour ranger les choses, parce que là c'est un peu posé comme ça, je trouve ça pas très joli. Donc voilà, il reste plus grand chose à faire, je pense qu'aujourd'hui ce sera fini et je suis trop contente. Donc là aujourd'hui ce matin je dois aller faire des courses à Auchan, donc en même temps je pense que je vais voir à Auchan s'il n'y a pas des petits trucs pour la décoration. Et derrière Auchan il y a tout ce qui est Jiffy, Stokomanie, l'incroyable, donc je pense faire un petit tour là-bas si je ne trouve pas tout ce que je veux, et je vous montre tout ça. Ça y est, je suis revenue de mes petites emplettes, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait, je pense que j'ai tout trouvé pour finir les toilettes et l'entrée. J'ai juste pas trouvé le petit truc avec écrit WC, mais je me suis dit que c'était pas grave, je verrai un jour, si jamais je le trouve bah je l'achèterai, mais là il y avait rien du tout, donc je vais pas m'embêter juste pour ça. À l'incroyable j'ai acheté ce petit vase comme ça, je le trouvais super joli, donc il est à 5,99€, je l'ai pris, et en fait pour mettre dedans j'ai pris 2 bouquets comme ça de pampas. Au début j'en avais pris qu'un seul, mais je me suis dit que ça allait pas être suffisant pour remplir. Et alors les bouquets ils étaient, pour les deux j'en ai eu pour 5,98€, donc j'en ai pris des couleurs comme ça et couleurs roses, etc. J'ai pris pour l'entrée des couleurs un peu dans les tons rose, jaune et gris pour aller avec la planche de surf. Et ensuite à Jiffy j'ai pris ça. En fait c'est une bougie, mais je vais pas du tout l'utiliser en bougie, en plus elle sent que dalle. Mais c'est vraiment juste pour de la déco, et ça ça m'a coûté, alors attendez, je comprends pas très bien. Ah si, ça m'a coûté 4,99€. Donc comme ça, ça sera pour l'entrée. Ensuite, pour finir l'entrée, j'ai acheté ce petit truc-là. Je le trouvais trop mignon. C'est un hibou. En plus, il y a du jaune sur la planche de surf, donc je trouvais que ça allait trop bien. Ça, il m'a coûté 3,99€. Et ensuite, pour les toilettes, j'ai pris ces 3 pots-là. Normalement, c'est des pots pour mettre les fleurs, mais je les trouvais très jolis. Et c'est vraiment la taille que je voulais, donc j'ai décidé de les prendre. Et ils étaient à 3,29€ l'unité, donc c'était pas trop cher, parce que j'ai vu des paniers qui étaient en osier un peu dans le même style, mais ils étaient genre à 7€, donc je me suis dit que autant prendre ça, c'est moins cher et puis c'est joli aussi, donc voilà. Thank you.
j'ai mis tout ce qui était serviettes hygiéniques. Ça, c'est des serviettes hygiéniques jetables. Donc, pour le moment, je finis ce que j'ai. Mais en soi, en fait, j'ai acheté des serviettes hygiéniques réutilisables et des culottes de règles. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 3 pots parce que c'est des choses qui sont un peu plus grosses. Donc, je mettrai les serviettes d'un côté et les culottes de l'autre côté. Donc, là, j'ai pris que des choses, enfin, des grosses couches et des grosses culottes, enfin, pour les trucs abondants parce que j'avais vraiment peur des fuites. Pour le moment, je les ai encore jamais utilisées. Et je pense commander des plus petites serviettes pour quand il y a un petit peu moins de. Genre, quand c'est la fin des règles, ce genre de choses. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les plier. Est-ce que je peux les plier comme ça? Je vais les plier et les ranger dans un pot, comme ça, ça se voit pas trop et c'est plus joli. Donc voilà pour les toilettes, aménagement très simple, très facile, j'ai juste acheté des petits pots et manque juste du coup à mettre ce fameux truc là sur le mur. Ah, c'est mieux comme ça. Bon voilà, ça y est, on a fini d'emménager la première pièce de la maison, donc le couloir et bon les toilettes aussi hein. Donc je vais vous montrer le final, comme ça vous voyez un peu le avant après. On n'a pas fait grand chose mais c'est juste pour dire d'égayer un petit peu le couloir et puis que ce soit pratique pour nous mettre nos manteaux et nos chaussures et 2-3 petits trucs de déco pour dire que ce soit un petit peu joli. Et puis on passera à une autre pièce dans peu de temps, donc on sait déjà quelle pièce on va aménager. Donc là je vous montre ce que ça donne maintenant et je vous dis aussi où est-ce que j'ai acheté quoi. Et voilà. Première chose, au niveau du tapis, on l'a acheté à Leroy Merlin, il était légèrement plus grand, donc on l'a découpé pour qu'il passe complètement dans le trou. Ensuite au niveau du sol qui est comme ça, donc c'est un sol gris assez grand qui est dans toute la maison, c'est le même, on l'a acheté à Brico Dépôt. Ensuite la peinture marron comme ça au niveau du mur, j'essaierai de vous trouver le nom de la peinture, je vous la mettrai sur le côté, le nom exact de la peinture parce que je me rappelle pas du tout, mais on l'a acheté à Brico Dépôt également, donc c'est un marron un peu gris comme ça. Ensuite pour la verrière, on l'a eu à Leroy Merlin, c'est une verrière en bois. Et pour tout ce qui est trucs comme ça, ça c'est nous qui l'avons mis. En plus c'est des planches de bois qu'on a peint en noir. Pareil, ça c'est une peinture qu'on a achetée à Brico Dépôt. Donc j'essaierai de vous trouver le nom et pareil je vous la mettrai sur l'écran. Ensuite du coup voici ce que ça donne en termes de décoration, aménagement, etc. On a mis ce petit meuble à chaussures, donc je vous ai dit la fois passée, je sais plus exactement, mais on l'a acheté à Leroy Merlin, donc on y a mis nos chaussures. Donc moi c'est l'étage du haut et Corentin c'est l'étage du bas. Ensuite en termes de déco, je viens tout juste de vous le dire, mais je vous le rappelle au cas où. Donc ça je l'ai acheté à l'incroyable, ça et les pampas aussi à l'incroyable. Et le petit hibou, je l'ai acheté à Jiffy. Ensuite, pour le surf, ça c'est un truc qu'on a acheté dans une boutique en vacances. Donc je ne pourrais pas du tout vous donner le nom et puis je ne me rappelle plus. Et ça fait quand même pas mal de temps. Je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans. Donc voilà. Oh non, il y a 2 ans en fait. On n'avait même pas encore la maison qu'on l'avait acheté. Ensuite, ici, on a des porte-manteaux. Je pense que vous voyez, c'est des porte-manteaux en bois classique. Il y a 3 pics à chaque fois. Ça, on l'a acheté à Castorama. Ensuite, les 2 portes, celle-ci, on l'a acheté à Leroy Merlin. Celle-ci, on l'a acheté à Brico Dépôt. Et on les a peint en noir toutes les deux. La même couleur, le même noir que pour la verrière. Alors, du coup, pour les toilettes, voici ce que ça donne. J'avais une petite inspiration et je me suis totalement inspirée de l'inspiration. Je sais pas trop si ça se dit. Le carrelage, en tout cas, vient de chez Leroy Merlin. On l'a mis un petit peu partout. On le trouve assez beau. Vous pouvez le mettre sur les murs, mais également sur le sol, du coup. Ensuite, vous avez ces petits carreaux-là. C'est un peu genre carreaux de métro. On l'avait acheté aussi à Leroy Merlin. Et pour la peinture bleue, on l'a acheté à Brico Dépôt. Et voilà, pour les petits trucs comme ça, je pourrais pas vous dire d'où ils viennent, ça je l'avais eu en cadeau à mon Noël je pense, ou à mon anniversaire par ma marraine ou par ma mère, je sais plus exactement. Alors pour les toilettes, c'est un toilette suspendu, vous avez la chasse de l'air, par contre je pourrais pas du tout vous dire d'où il vient, c'est mes parents qui l'avaient trouvé, qui l'avaient acheté du coup. Donc je sais pas d'où il vient. Et ensuite du coup en termes de déco, il y a juste ces 3 petits pots pour ranger un peu plus clairement ce qu'on avait ici. Et c'est des petits pots du coup que j'ai acheté à Jiffy. Donc voilà pour ce que ça donne.